It is widely recognized that artificial intelligence has enormous potential for social good, promoting the achievement of the Sustainable Development Goals, developing knowledge societies, and accelerating human progress. AI can help address many of humanity's most critical social issues, including those related to education, the sciences, culture, media, access to information, gender equality, and poverty alleviation. AI offers major opportunities if it develops in respect of universal norms and standards, and if it is anchored in peace, humanism, and sustainable development. Rapid technological advancements in AI, as well as other advancing technologies such as robotics, big data analytics, and the Internet of Things, are transforming disciplines, economies, and industries. L'intelligence artificielle, comme toutes les grandes transformations technologiques, elle va radicalement transformer l'économie. Elle va transformer les systèmes de valeur, elle va transformer les différentes verticales des industries par la donnée, par l'utilisation qu'elle va faire de la donnée. C'est un défi technologique, un défi humain, un défi de développement, de progrès de l'humanité qui dépasse certainement ce qu'on a connu pendant la révolution industrielle. Some artists work with paintbrushes, some artists work with guitars, some artists now work with algorithms, and that's giving us a whole new view on human creativity, on computer creativity, and a whole new set of art. Once you use artificial intelligence to make the drones fly, you can use them for all kinds of things. Today we use it to deliver blood, medicine, vaccines, but tomorrow those same exact drone systems can be used to video World Heritage sites as you're trying to identify changes over time, or to try to monitor population movements or agricultural developments. If we have information that is automated, if we have information that can reach citizens very fast, timely, accurate, then you are saving lives. That is where I think artificial intelligence can contribute. On peut dire que dans tous les domaines, on peut se servir aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour améliorer le niveau de vie des populations, pour améliorer le niveau de compétitivité des entreprises. L'intelligence artificielle est un domaine extrêmement important où les pays africains ont intérêt à investir, notamment dans la recherche, notamment aussi dans le développement de nouvelles applications, pour faire en sorte que cela soit un moteur dans la transformation du numérique. At the same time, artificial intelligence and automated processes as fueled by big data present a series of challenges in terms of ethics, access to information, freedom of expression, democracy, and the right to privacy. The rapid rise of AI requires UNESCO to advocate in favor of the development of AI based on rights, openness, and accessibility while ensuring a multi-stakeholder approach. Les risques, c'est qu'on avance trop vite sans avoir des débats démocratiques, des débats de société sur vers où on veut aller. Ce n'est pas parce que c'est techniquement faisable que nous devons avancer dans ce sens. Les modèles de décision de type machine learning vont intégrer forcément des biais. Ces biais, ils peuvent renforcer des discriminations et donc il importe de définir des règles éthiques pour corriger ces biais et fournir aux acteurs économiques, sociaux, des outils qui vont permettre de corriger ces biais. Typiquement dans un réseau social, je mets ma photo, mes croyances religieuses, la ville où je suis né, et en brassant ces informations-là, en les croisant avec d'autres utilisateurs, le réseau social va être capable de déterminer des choses sur moi que je n'ai pas forcément dites. Et du coup, là, on est dans un risque parce qu'on est dans une information déduite que je n'ai pas maîtrisée. Et c'est notamment les risques liés à la vie privée, à travers notamment la surveillance, l'utilisation abusive des données personnelles des citoyens, des utilisateurs, mais aussi les risques liés à la liberté d'expression. Je pense à certains exemples qui existent aujourd'hui de certaines sociétés dans lesquelles l'espace public est soumis à une surveillance extrême grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Right to privacy, freedom of expression, access to information and knowledge, gender digital equality, cultural diversity, open data for development, research and training, media and information literacy on AI.
How can we ensure that artificial intelligence serves human progress and promotes human rights? How can artificial intelligence be harnessed to build inclusive knowledge societies and achieve the 2030 Sustainable Development Goals? Policymakers need to establish regulation that ensures for accountability and transparency in algorithms, as well as allowing for users to have methods of redress or remedy where their rights have been violated or even denied. L'UNESCO peut être l'espace où différents pays partagent des expériences, partagent des outils, partagent des réflexions sur comment on peut avancer vers une intelligence artificielle plus éthique, plus transparente, au service de l'humain. Il faut mesurer l'impact de l'intelligence artificielle quant aux objectifs de développement durable. Avec l'intelligence artificielle, ces opportunités vont permettre à tous les jeunes dans le monde, permettre à toutes les sociétés dans le monde de vraiment adresser ces questions différemment. C'est de nouvelles technologies. Donc c'est des opportunités avant qu'il soit des risques. On pourrait tout à fait imaginer que l'UNESCO puisse définir des valeurs fondamentales que toute intelligence artificielle déployée et qui traite la question des humains puisse être définie par l'UNESCO au niveau international et reprise par des organismes au niveau régional. Half the world, only 50% have access to digital life. The other 50% are offline. And we can't benefit from artificial intelligence when some of us are offline. Leave me not behind, leave no one behind.